Salam alaikum Azoul, bonsoir. Vous aurez remarqué que dans l'éditorial, ou l'introduction, si vous voulez, qui précède cette émission, j'essaye toujours, non pas seulement de situer un peu les contextes, d'évoquer des historiques, de susciter des lectures, mais aussi et surtout de souffler sur les cendres de la désinformation. Et je fais toujours en sorte de me connecter à vous pour que vous soyez partie prenante de cette émission, de la discussion, voire de la dispute. Aujourd'hui, devant la tournure particulièrement inquiétante que prennent les événements, devant cette omerta intégrale, l'édito sera une suite de questions. Des questions que nous nous posons, que nous vous posons. Des questions lancinantes, des questions qui portent en elles des orages annoncés et qui, pourtant, par leur seule évocation, sont autant de réponses. Ainsi, pourquoi le Hamel a-t-il été démis, humilié, jeté à la poubelle comme le dernier des malpropres, alors qu'il était d'usage pour les généraux de les faire partir pour raisons de santé, de les envoyer vers une voie de garage, de leur permettre de sortir par la grande porte. Pourquoi le Hamel, qui sait très bien que ce n'est pas le président qui l'a limogé, a-t-il respecté la loi du silence? Pourquoi n'a-t-il pas livré ce qu'il sait sur ceux qui l'ont tué? Quelles sont les vraies raisons de son limogeage? Est-ce une guerre des clans avec l'imminence des présidentielles ou une guerre des gangs entre mafiocrates? Et qui a forcé Saïd Bouteflika à se séparer de El-Hamel, un de ses plus puissants alliés? Pour le remplacement de El-Hamel, pourquoi avoir fait le choix de l'Habiri, très compromis dans de graves affaires de grande corruption et dont l'âge avoisine les 80 ans? Pourquoi l'affaire de la saisie de la cocaïne a-t-elle explosé maintenant, alors que tout le monde sait que c'est une pratique régulière et quasi banale des barons du régime qui sont les parrains du trafic de kiff et de cocaïne depuis tout le temps? Quel est ce silence de toute la classe politique ou dite politique à un moment aussi crucial? Les équilibres du système ont-ils subi des bouleversements et lesquels? Pourquoi l'armée ne communique pas par le biais de ses habituels relais? Pourquoi ce silence? Qui est en train de répandre des rumeurs sur l'imminence d'un coup d'État? Est-ce un ballon sonde ou la préparation de l'opinion publique à un événement qui va bientôt et réellement se produire? La famille Bouteflika s'est-elle réellement réfugiée en Suisse, comme on est en train de le dire sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui. TSA, Hamel, chronique du départ d'un autre fidèle de Bouteflika. Le matin d'Algérie. Qui a limogé le général-major Hamel et pourquoi? Algérie Part. Confidentiel. DGSN, Abdelkader Kara Bouhedba, l'homme qui a failli remplacer Abdelghani Hamel. Affaire Hamel, branle-bas de combat dans le sérail, c'est le titre de notre émission aujourd'hui. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ici sur le plateau Saleh Hadjab, militant politique. Merci d'être avec nous, Saleh. Merci pour l'invitation. Merci.
Au téléphone avec nous, Mohamed Larbi Zetout, ex-diplomate et cofondateur de Rachad, Zoubida Assou, l'avocate et présidente de l'Union pour le changement et le progrès, l'UCP, et Abdou Sammar, rédacteur en chef d'Algérie Part. Abdou Sammar qui nous a demandé de le passer en premier pour pouvoir le libérer. Abdou Sammar, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Jamal. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de retrouver nos téléspectateurs et invités de Maradouya. Merci beaucoup, Abdou. Alors, Abdou Sammar, vous qui êtes particulièrement bien informé, qui avez déjà commis quelques articles sur cette question, dites-nous un peu ce qui se passe, qu'est-ce que vous en savez, puis j'aurai des questions à vous poser au sujet de l'article que vous avez commis sur cette question. Jamal, c'est parce que quoi, il y a eu une affaire, un énorme scandale qui a éclaté, l'information est venue de l'étranger, le régime algérien ne peut pas l'étouffer, il y a des pressions européennes et occidentales sur la lutte contre la drogue très dure en ce moment, et ben, le régime algérien a profité de cette affaire pour liquider ou une sorte d'amaigrissement, on va dire, pour se débarrasser de certains poids lourds qui le ralentissaient dans ce futur projet. En langage très simple, des grosses têtes devaient tomber. Le régime algérien n'avait pas de prétexte. Aujourd'hui, il a de prétextes particulièrement favorables pour faire le ménage, préparé pour 2019, parce que telle qu'est la configuration d'aujourd'hui, il n'est pas possible d'entamer un cinquième mandat. Alors, Abdou, selon les spéculations des uns et des autres, puisque c'est plombé, personne de vraiment informé n'en parle, personne ne communique sur cette question, mais selon les sources qui essayent de communiquer, et selon des spéculations venant d'officines et d'autres, certains parlent de dégommage, de dégraissage, comme vous dites, en prévision des présidentielles. Sachant que le Hamel figurerait parmi les nominés au cas où il n'y aurait pas de cinquième mandat. D'autres, au contraire, disent que cela n'a rien à voir avec les présidentielles, mais que c'est plutôt qu'une guerre des clans, que c'est une guerre des gangs. Gang le Hamel contre gang Gaïd Salah, dont les enfants se sont accrochés à cause d'histoires de port sec, de trucs et d'autres, d'affairisme. J'en veux pour preuve le déplacement du frère d'El Hamel, qui était directeur régional des douanes à Annaba, et qui a été déplacé par son frère comme directeur régional des douanes à Tlemcen, comme s'il y avait deux républiques dans ce pays, la République des Gaïd et la République des Hamel. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? Qu'est-ce qui a vraiment motivé ce dégommage? Alors, il faut comprendre quand même que le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, est un poids lourd de la scène politique algérienne. Ahmed Gaïd Salah n'apprécie pas beaucoup certains membres de l'entourage présidentiel. Et il le fait savoir depuis plusieurs années, ce n'est pas nouveau. Il se trouve que comme l'affaire de la drogue, elle est entre les mains de ses services. C'est l'armée qui l'a saisie, c'est l'armée qui en a utilisé pour son prestige, c'est la gendarmerie nationale qui est en train d'enquêter avec les services de renseignement. Donc les services de la police ont été complètement décisifs de cette affaire. Donc Ahmed Gaïd Salah utilise politiquement cette affaire pour imposer sa vision d'un certain assainissement de la vie morale ou de la vie politique algérienne. Donc il est clair que Ahmed Gaïd Salah utilise cette affaire directement ou indirectement pour dire qu'au sommet de l'État, il nous faut faire du ménage, il le faut faire, parce que si on continue comme ça, on va vers l'abîme. Maintenant, sur le propos de Hamel. Hamel, il faut dire qu'il a creusé un peu sa tombe, mon cher Jamal. Sa déclaration, elle est tout simplement inédite. Il s'agit d'un dérapage lourd politiquement. C'est le monsieur, on est arrivé jusqu'à accuser d'autres corps de l'État algérien d'être miné par la corruption. C'est qu'il était très stressé, très perturbé, notamment depuis l'histoire de son chauffeur particulier, une histoire qu'il a essayé de renier, ou de nier plutôt, parce qu'il a fait paraître un communiqué où il dit que finalement ce n'est qu'un simple chauffeur de la DGSN, pas mon chauffeur particulier. Quoi qu'il arrive, Hamel a malgré cette situation. Beaucoup de ses membres de son entourage sont cités comme étant des amis avec Kamel Chéri, le fameux Kamel Bouchi. Donc l'homme éclate de colère, ils se sont abandonnés, ils se sont trop attaqués. Il fait une intervention publique qui est maladroite, puisqu'il dit directement que lui aussi il a des dossiers sur les gens, que lui aussi il peut donner des dossiers à la justice.
N'oublions pas que Hamel est un ancien commandant d'un groupement de la gendarmerie qui a enquêté sur l'affaire de la drogue de la région militaire de l'Ouest. Donc, il en connaît des informations. Mais la sortie guerrière et trop brutale de Hamel a fini par pousser le camp présidentiel à le lâcher complètement. Il était trop dangereux de le maintenir encore, notamment à travers cette déclaration. Mais Abdou, quand vous parlez de volonté d'assainissement, de moralisation de la vie publique, vous savez pourtant, et vous savez peut-être plus encore que tout le monde, que le domaine de la drogue, tout particulièrement celui de la cocaïne, relève des monopoles des barons du régime. Nous le savons très bien, vous et moi, depuis l'affaire Zinjebil, mais même avant. Avant l'affaire Zinjebil, le trafic de cocaïne et de drogue, les grandes quantités, c'est le monopole de généraux, de grands commis de l'État, on le sait très bien. Alors pourquoi cette fois-ci ? Et pour comprendre que jamais, on est l'Algérie de 2018, ce n'est pas l'Algérie des années 90, ce n'est pas l'Algérie des années 2000. Le mot baron du régime, la qualité, l'identité, le grade de ces barons du régime a complètement changé. De deux, il faut comprendre que l'affaire de Coquet, ce n'est pas une affaire algérienne. C'est une affaire internationale. C'est une drogue qui est venue de l'étranger, qui est passée par le territoire espagnol, qui est sous enquête aussi en Europe, mais les services occidentaux qui en ont parlé. Il y a une délégation de renseignement américain qui ont été de passage à Alger pour préparer la visite d'un secrétaire d'État américain, mais qui ont abordé cette question de lutte contre la drogue. Donc ce n'est pas une affaire algérienne. Ça n'a rien à voir avec quelques barons. C'est un réseau totalement international. Et encore, il faut souligner jamais que les investigations menées en ce moment par les services de sécurité algériens, on n'en sait pas, beaucoup de choses sur la drogue. Pour le moment, c'est en train de se transformer sur une affaire sur Kamel Bouzi, 6 milliards et ses affaires dans l'immobilier et dans l'importation. On n'en sait absolument rien sur les affaires de la drogue. On n'a rien communiqué sur la cocaïne. On reste en train de se limiter uniquement à comprendre comment il a tissé des relations pour devenir très riche, pour avoir des capacités de construire pratiquement avec les facilités des contestants, et comment il a pu ériger des grands immeubles, des résidences luxueuses, dans des cadres qui comportaient carrément des irrégularités, des atteintes à la réglementation de l'urbanisme. D'ailleurs, la majeure partie des 32 personnes qui ont été arrêtées, convoquées, interpellées, sont des responsables des cadres de l'urbanisme. Donc, officiellement, ce que le ministre de la Justice ne peut pas dire, c'est que la mairie enquête davantage sur les affaires et la fortune de Kamel Bouchi et de ses connexions politiques. Et ce monsieur, il a 5-10, il a filmé pendant 5-10 jours d'images, il a filmé toutes ses rencontres avec les personnalités algériennes. Mais on s'intéresse beaucoup plus à lui qu'à cette drogue dont on ne sait pas encore grand-chose. Alors, vous dites que cette histoire de saisie record de cocaïne, 7 quintaux, je rappelle, et 1 kilo, vous dites que ce n'est pas une affaire algéro-algérienne. Et si je vous disais, Abdou Sammar, que cette information de l'Espagne qui aurait donné l'info aux autorités algériennes, que le bateau qui se trouvait dans son port à Valence, qui allait cingler vers l'Algérie, si je vous disais que tout ça, c'est qu'une intox, que les Espagnols n'ont jamais donné cette information aux Algériens, et pour cause, puisque les Espagnols savent que c'est les barons algériens qui ont le monopole de la drogue, et ils savent aussi que s'ils leur donnaient cette information, la première des choses qu'auraient fait ces autorités, c'est d'appeler leur personnel au bateau pour lui dire de jeter la drogue en mer. Ça coule de source, c'est d'une logique imparable. Si je vous disais ça, qu'est-ce que vous en penseriez ? J'en pense pas grand-chose, Jamel. Il n'y a aucun fait probant qui prouve ce que vous dites. Je ne crois pas aux théories du complot. Je crois réellement dans mes sources que j'ai consultées, y compris des gens à l'étranger. Moi, on sait mais clairement qu'il y a eu un renseignement à partir d'Europe, notamment à partir d'Espagne, lorsque la cargaison a fait un transbordement au niveau d'un port espagnol. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas jeté ? Pour la simple raison qu'ils ont été pris par surprise. Personne ne les a... Ils croyaient avoir un passage assuré au niveau du port d'Oran, qui est un port noyé par les pratiques de corruption, comme Algérie Park l'a révélé durant plusieurs de ses enquêtes. Donc... Encore une fois, je maintiens la véracité de la version concernant la révélation qui a été faite. C'est réellement une information venant d'Espagne qui a permis à l'armée algérienne de se dire que bon, s'il n'y avait pas cette information venant d'Espagne, on n'aurait jamais entendu parler de cette quantité de drogue. Abdou Sammar, une dernière question avant de vous libérer. Vous dites dans votre article qu'il y a eu une réunion de crise entre principaux décideurs pour décider de débarquer
l'Hamel, que parmi ces décideurs se trouvait Ouyahia, et que c'est Ouyahia qui aurait réussi à imposer l'Ahbiri. Vous croyez vraiment qu'un périphérique comme Ouyahia puisse entrer dans un tel cercle de décision? Malheureusement, Jamel, pour vous et pour beaucoup de démocrates algériens, et pour moi, Ahmed Dehaye n'est pas un périphérique. Il est l'un des composants les plus importants de la colonne vertébrale du régime algérien. Il est là, il occupe des fonctions, il est là au pouvoir depuis que je suis jeune, depuis début des années 90, bien avant même. Ce n'est pas du tout la périphérie, c'est quelqu'un qui est consulté, qui pèse sur la décision. Et comme on a expliqué dans cet article, le choix de Hbéry obéit à des considérations politiques. Le gars qui aurait été proposé au départ, M. Kara, aurait mené une purge et perturbé la DGSN en ce moment, qui est déjà énormément perturbée, parce qu'il y a beaucoup d'officiers qui ont à s'interroger, qui ont à se questionner. Les RG ont donné un rapport. On ne sait pas ce qu'ils vont devenir ces rapports. On va parler de RML. Où sont ces rapports concernent quoi? Donc, il fallait absolument éviter de créer une division, une guerre de clans au sein de la police qui était énormément dangereux en ce moment même. Donc, l'ABL est un choix politique qui permet d'une certaine sécurité, un certain contrôle et un apaisement. Abdou Sammar, merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir. Au plaisir, mon cher Jamel. Merci. Mohamed Larbi Zetot, merci d'être avec nous. Allô? Salam, alam bik, si Mohamed Larbi. Marhaba bik, si Jamal, ou marhaba bil jami. Allah ybarik fik. Mohamed Larbi Zetot, d'abord, vos sentiments, votre sentiment sur cette question, avant que je ne vous pose de questions précises. Toujours, c'est la lutte exacerbée entre clans au pouvoir qui s'est monopolisée ou poussée avec une affaire extraordinaire, l'affaire de Karim. C'est la seconde tourine de 2018. Si en 2013, l'affaire de Karim a fini par déboulonner Toufik et limoger ses principaux chef, ses principaux assistants, en 2018, la cocaïne a fini par emporter le Hamel, un général-major d'une importance extrême, qui était même présenté à peut-être à remplacer la momie Bouteflika. Et donc, on se trouve encore une fois avec cette lutte éternelle entre poignées de généraux qui se disputent le pouvoir et que celui qui s'ensuit du pouvoir. D'après vous, qui a limogé, qui a décidé du limogeage de l'Hamel, sachant que ce n'est surtout pas le président de la République, puisqu'il ne peut décider de rien? Il ne décide de rien, il n'est même pas en Algérie, il est en Suisse. Il est en c'est ce qu'on dit. Donc c'est Gaït Salah, certainement, sans faute. D'ailleurs, il l'a fait savoir à partir du rang où l'Hamel pense avoir Oran sous sa main. Il lui a dit clairement, il lui a répondu après 2 heures, sachant que le Hamel a accusé, même menacé le Hamel et la poignée générale Kulantour. Gaït Salah lui a répondu pratiquement l'après-midi en lui disant que c'est nous, l'armée, qui a sauvegardé l'Algérie, qui le sauvegarde toujours. Et d'ailleurs, on a sauvegardé aussi la jeunesse algérienne de la drogue. Je pense qu'il a été si énervé quand il a entendu Hamel parler de la clinique Glycine et menacer celui qui veut être ou que lutter contre la corruption doit être propre. Donc, je pense qu'il a appelé Saïd pour lui dire qu'il faut limoger carrément et immédiatement Hamel, sinon je vais envoyer une compagnie pour l'arrêter. Donc, il l'a fait auparavant contre d'autres généraux. N'oublions pas Abdelkader Aïtourabi, le tristement célèbre général Hassan, qui l'a mis en prison, qu'il est toujours. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que, jusqu'à preuve du contraire, Gaït Salah et le Hamel faisaient partie d'un même clan, celui qui protège le clan Bouteflika et qui permet à Saïd Bouteflika de régner au nom de son frère. Comment se fait-il qu'ils en soient arrivés à cette histoire? Très bonne question.
On arrive là, on peut distinguer, si vous voulez, on est toujours avec le même clan, c'est le clan Bouteflika, mais avec deux ailes, si vous voulez, avec l'aile est et l'aile ouest. L'aile ouest, c'est le général Hamel, le général Darmi Ben Ali Ben Ali, Tayeb Louh, Tayeb Al-Aiz, le mécanicien des affaires étrangères et d'autres. Le clan ouest, est, c'est Gaïd Saleh et une autre poignée de généraux. Entre les deux, il se trouve d'autres, surtout les recalés ou les ceux de l'ancien DRS, y compris Tartak. Tartak, d'ailleurs, il a joué un rôle important dans cette affaire aussi. Mais vous avez entendu parler de cette histoire de gang entre les enfants de Tartak et les enfants d'El-Hamel et le frère d'El-Hamel qui était directeur régional dans la République de Annaba et qui a été, quand il a eu des problèmes, son frère l'a fait affecter à la République de Tlemcen. Ben effectivement, je pense que c'était ça a débordé le vase de menaces entre les deux généraux, parce que Gaïd Saleh n'a pas du tout apprécié qu'on lui envoie le frère de l'Hamel pour voir ce qu'il fait à Annaba. Annaba, pour lui, c'est sa ville, ça lui appartient à lui. Et d'ailleurs, pourquoi il a répondu d'Oran? Parce que pour dire à l'Hamel et à d'autres généraux et à d'autres dignitaires des régimes, à la pègre algéroise en toute entière, que je suis le patron des patrons, c'est moi qui décide, il n'y a personne. C'est l'armée, c'est la poignée de généraux qui sont au commandement, qui sont avec moi, et moi à leur tête, je dicte et je décide, et personne ne fera quoi que ce soit sans qu'il passe par moi. D'ailleurs, on va assister, et je crois savoir qu'on a arrêté pas mal d'assistants de l'Hamel, y compris le très puissant chef de Sirti de Wilaya d'Alger, Ben Rachid, et d'autres, ils ont pu fuir. On a entendu deux ou trois officiers de la police qui ont pu fuir, mais on arrive à arrêter d'autres. Je pense aussi qu'on finira par avoir Tayeb Louh, le soi-disant ministre de la Justice. Et pourquoi avoir nommé l'Ahbiri, qui est pourtant connu comme ancien colonel, ancien patron des pompiers, qui fricotait un peu avec tout le monde, parce que tout le monde fricote, de toute façon, tout le monde est au râtelier, c'est une question de centaines de millions de dollars. Pourquoi avoir nommé l'Ahbiri à la place de quelqu'un d'autre, l'Ahbiri qui n'a jamais été policier, alors que la DGSN compte de nombreuses compétences qui auraient pu prendre, compétences qui sont en même temps proches du régime? Pourquoi avoir nommé l'Ahbiri? Et est-ce que, comme nous le dit Abdou Samar, Ouyahia aurait joué ce rôle très important de l'avoir imposé comme remplaçant Al-Hamel? Non, je ne pense pas que Ouyahia a ce poids dont certains lui incombent. Je pense que Ouyahia est surtout l'homme de sale besogne et on lui assigne certaines missions claire et bien précise, pour qu'il s'enfonce encore plus avec l'opinion algérienne. D'ailleurs, je pense qu'il est l'homme le plus détesté, l'homme politique, le plus politique, entre guillemets, le plus détesté en Algérie. Je pense que l'Ahbiri, c'est surtout parce que c'est un militaire, n'oublions pas que c'est un colonel. Deuxièmement, c'est un alcoolique, donc on a besoin des gens qui sont vraiment corrompus et moralement qui n'ont pas de puissance pour pouvoir les mêler, les gérer comme on veut. Et troisièmement, parce qu'il est très copain avec Gaïd Saleh. Quatrièmement, parce que peut-être il ne pose pas de problème entre le wing, ou entre l'est et l'ouest du clan présidentiel. Donc, il est, si vous voulez, une personnalité ou une personne commune aux deux clans. Et parce qu'il a dépassé les 80 ans, donc il ne pose pas beaucoup de problèmes. Tout ça a joué. Je pense qu'il est temporaire. Je pense qu'on finira par entendre qu'il soit remplacé dans quelques semaines au plus tard. Mohamed Larbi Zetot, avant de vous libérer, parce que vous nous avez demandé de vous libérer le plus tôt possible, qu'est-ce que vous pensez de ces rumeurs de coup d'État? Et qu'est-ce que vous pensez de ces rumeurs que toute la famille, les familles des Bouteflika seraient en Suisse en ce moment
et que c'est le consulat et l'ambassade d'Algérie en Suisse qui est en train de s'en occuper pour s'en occuper, quoi. Bon, je ne pense pas qu'ils s'enfuient en ce moment, mais ils ont tous les moyens pour se trouver à l'étranger à n'importe quel moment, parce qu'ils ils le pensent bien qu'à un moment donné, peut-être, ils vont, les choses vont s'accélérer et ils vont être chassés du pouvoir. Donc, ils ont fait tout pour qu'ils se seront confortables le moment venu. C'est à partir de Boufari qu'ils vont partir. Pour ceux qui sont à l'étranger, ils le sont déjà. D'ailleurs, la plupart d'eux, ils passent beaucoup plus de temps à l'étranger qu'en Algérie, ça d'un côté. De l'autre côté, je pense que Gaïd Salah ne va pas jusqu'à un coup d'État à condition qu'il aura le feu vert, parce que ça, c'est une affaire américano-française avant tout. Donc, le quatrième mandat, comme il l'a été l'affaire de la France, donc c'est Hollande qui l'a imposé, il l'a clairement dit. Si vous vous rappelez bien d'un certain interview avec la presse le 30 mai 2013, il a clairement appelé Toufik à ne pas toucher à son protégé Bouteflika et qu'il va continuer son troisième mandat. Et là, on a fini par voir un quatrième mandat. Le cinquième mandat, si les Occidentaux, notamment les Américains et les Français, se voient que voilà, les choses peuvent aller très très mal en Algérie, donc on va le remplacer et on va d'une façon ou d'une autre, soit à la Bourguiba des années 80, soit par d'autres moyens. Mais Gaïd Salah, je ne pense pas qu'il va s'aventurer en ce moment, au moins, de faire partir, de toppler Abdelaziz. Mohamed Larbezetot, merci infiniment, au plaisir de vous revoir. Nous restons avec Zoubida Assoul et Salah Hijab. Zoubida Assoul, merci d'être avec nous. Bonsoir, si jamais, merci à vous et bonsoir à tous vos invités. Merci beaucoup. Alors, d'abord, Zoubida Assoul, en tant que chef de parti, en tant qu'avocate, en tant que citoyenne algérienne, qu'est-ce que cette nouvelle vous a inspiré? Quels sentiments sont les vôtres? Bon, d'abord, c'était quelque chose de prévisible, hein. Nous, ça fait des années, en tout cas à l'UCP, qu'on a tiré l'attention des pouvoirs publics sur la déliquescence à laquelle nous sommes arrivés, c'est-à-dire l'impunité, le monopole des pouvoirs, un président absent. Donc ça a ouvert la voie à toutes les manœuvres, à toutes les formes de corruption, de malversation. Donc c'était prévisible, quoi. Mais malheureusement, ça arrive avec cette affaire de cocaïne qui est gravissime, à mon sens, et qui constitue même une atteinte à la sécurité nationale. Ce n'est même pas une infraction de narcotrafiquant, mais c'est plutôt une affaire qui dénote d'abord que la corruption a atteint un seuil inimaginable et puis qu'elle a touché aussi à toutes les sphères du pouvoir. Et donc là, ça commence vraiment à nous inquiéter en tant que citoyens tout d'abord et puis en tant que politiques. Et les jours qui viennent ne seront pas certainement faciles. Hein. Restez avec nous, Zoubida Assoul, je reviens à vous. Salah Hijab, d'abord, comme tous les autres invités, que vous a inspiré cette curieuse affaire, d'abord de cocaïne, de saisie record, puis de limogeage sans autre forme de procès, d'un des barons les plus puissants du régime, le patron de la police nationale, Al-Hamel. Tout d'abord, quand on connaît bien les gens qui dirigent l'Algérie, c'est un groupe de généraux qui a tous les monopoles, et entre parenthèses, il a transformé tous les marchés en sourd al-fallah, distribué entre généraux et caché avec des façades qu'on appelle des pseudo-hommes d'affaires, qui ce soit Haddad ou l'Ulmi ou ce boucher-là qui avait ce monopole d'importation des viandes. Donc, mais derrière, il y a ces politiciens comme cet instrument qui s'appelle Ouyahia. Il est dans la périphérie, il ne peut pas être parmi les gens de décision. Lui aussi, il a des affaires pour sa famille, ses enfants, sa femme, il a des sociétés. Il est là, il joue le rôle politique pour faire passer des lois, pour interdire les voitures d'occasion, interdire les pièces, pour faciliter la tâche à certaines personnes d'avoir le marché automobile, par exemple, à d'autres personnes d'avoir d'autres marchés. Et comme ça, il partage le pain entre eux.
Sauf que ces derniers temps, avec la chute du prix des pétroles, l'argent, le montant d'argent qui arrive en Algérie a baissé. Et ces généraux, aucun ne veut perdre de sa part. Et ça reste cette guerre entre ces gens sur les affaires économiques qu'on connaît. Le problème, il n'y a pas que des affaires économiques. Et en plus des affaires économiques, il y a ce genre d'affaires qui sont des affaires graves. Cette histoire de qu'on a, on a des gens qui sont censés lutter contre la drogue, qui sont eux-mêmes les premiers qui font le grand marché. Et de temps en temps, ils essayent d'arrêter un ou deux pour faire semblant aux Algériens comme quoi nous sommes là en train de lutter. Mais en réalité, non et non et non. Après, l'histoire de dire... Cette affaire, c'est une affaire internationale. Ce n'est pas une affaire internationale. Cette guerre entre clans, entre le Gaïd Saleh et entre le Hamel. Et pourquoi le Gaïd Saleh et le Hamel? Parce que les deux, ils sont des candidats pour le cinquième mandat bis. Je dis bien cinquième mandat bis. C'est-à-dire le candidat, ça veut dire candidat eux-mêmes. Oui, eux-mêmes. Gaïd Saleh, par exemple, peut être candidat. Donc, sincèrement, on a accepté un mort-vivant. Pourquoi pas Gaïd Saleh? Donc c'est... je dis bien le cinquième mandat bis, c'est-à-dire la continuité de ce système. Et les deux, ils ont des marchés dans différents domaines. Donc, il se trouve qu'à un moment donné, ils sont arrivés à se chamailler sur quelques affaires. Et donc, il y avait cette utilisation de dénonciation à l'étranger pour faire tomber l'autre. Donc, c'est pour ça la réaction de l'Hamel, quand il a dit « moi aussi, j'ai des dossiers », ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'un des deux, chacun a des dossiers sur l'autre. Et d'ailleurs, quand on parle aussi de la question de pourquoi l'Hibiri, pas pourquoi, tout simplement parce qu'ils ont des dossiers sur lui, et parce que c'est quelqu'un de fidèle. On remonte en arrière. Pourquoi Bouteflika a gardé le Gaïd Saleh? Parce qu'il était censé être limogé. Il a regardé qu'il avait un dossier sur le dos. Donc, il lui a montré son dossier. Il l'a gardé. Parce qu'il s'est... Tu me tiens, je te tiens par la barbichette. Voilà, exactement. Ça marche ainsi. Donc, cette affaire, c'est vraiment une relation entre les gangs. Et ça marche comme ça. Même avant l'histoire entre Toufir et Bouteflika. Toufir, il avait des dossiers de corruption sur le clan Boutef. Boutef, il avait des dossiers de sang sur Toufik. Le jour où il a réussi, Toufir, de faire semblant de liquider les dossiers de corruption, notamment l'autoroute, en disant ce sera la BRC, Chakib Khalil. Voilà, il les a fermés, ses affaires. Donc, du coup, Toufir n'a plus de carte dans la main. Et en face, Bouteflika, il est arrivé au point de menacer de façon flagrante en faisant venir les enquêteurs français. Et on les a laissés aller jusqu'au moment de récupérer des échantillons. Et à la dernière minute, ils ont arrêté les échantillons. Et là, c'est comme s'il a montré à Toufik, regarde, je peux faire. Et donc, à ce moment-là, on a... Vous parlez des prélèvements sur les crânes des moines. Les crânes, donc c'est-à-dire, ouais. C'est pour ça, aujourd'hui, on est en train de voir une scène où on a des gens qui ont dit le mot « limogé ». Non, je préfère de dire le mot « écarté », « isolé », parce que des gens limogés qui ne parlent pas, ça nous laisse poser des questions. On limoge Toufir, il dit rien. On limoge Saadani, entre parenthèses, il dit rien. On limoge Belkhadem, il dit rien. On limoge Lhame, il ne va rien dire. Ça veut dire quoi? C'est l'omerta. Voilà, donc ici... Même si on fait du mal, je ne dis pas les choses. Il ne dit pas parce que lui, le premier, il sera enfoncé. Donc, c'est une guerre d'existence. Et donc, chacun utilise les cartes qu'il a dans la main. Il nous a demandé à Assel Zoubida, vous qui avez été juge, qui êtes avocate, que pensez-vous de cette déclaration dont vient de nous parler Saleh Hijab de l'Hamel qui dit « moi aussi j'ai des dossiers ». En même temps, il dit « je fais confiance à la justice hein, ». Mais il ne dit pas qu'il va livrer ces dossiers dont il parle. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ce qu'on peut penser, c'est que tout d'abord, c'est malheureusement dommage pour que l'État algérien, à travers ses institutions et à travers ses responsables politiques, parce que c'est le premier, disons le premier rang des responsables politiques qui se livre à une bataille rangée devant les citoyens algériens comme nous qui sommes là à attendre que l'État les protège, que l'État soit là pour assurer leur sécurité et la sécurité de leurs biens et le devenir de leurs enfants. Aujourd'hui, ils se livrent à une bataille. Je te tiens par des dossiers, tu me tiens par des dossiers. Ça, c'est quand même une première hein, dans le système
système algérien. Et ça, ça dénote que ce système est complètement en déliquescence. Ils ont perdu tout sens de la responsabilité. Si le Hamel possédait des dossiers, pourquoi ne l'a-t-il pas fait auparavant? Pourquoi il n'a pas saisi la justice? C'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi les garde-t-il? Oui, oui. Salah, ou oui. Que sais-je, sur d'autres généraux. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? S'il ne l'a pas fait, c'est que lui-même, il est là pour protéger des gens qui sont corrompus. Et ça, c'est encore plus grave. Comme on dit, Bl'arbiya, Rubba Udrin, Akbahu Min Zemb. C'est-à-dire, si vous avez des dossiers que vous êtes tués, en sachant que ces gens-là sont corrompus ou qu'ils étaient versés dans des affaires de corruption ou de drogue ou de trafic de drogue, si vous ne l'avez pas fait, ça veut dire que vous êtes quand même coupable. Mais le, Zoubida Assoul. Donc en fait, quand on observe cela, le citoyen est complètement perdu. Se dit, qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais Zoubida Assoul. J'ai jamais vu. Zoubida Assoul. Justement, vous faites bien de m'y amener parce que je voulais vous poser la question. Aujourd'hui, ce n'est plus la presse ou la société civile ou les partis politiques qui accusent le régime de corruption et de nager jusqu'au cou, jusqu'aux yeux dans la corruption, mais c'est le régime lui-même qui est en train de s'accuser lui-même. Et aujourd'hui, on semble se réveiller et comprendre que la grande corruption, elle est devenue systémique. C'est-à-dire, il n'y a rien que n'entreprend ce régime sans qu'il y ait de la corruption dedans. J'en veux pour preuve, par exemple, l'autoroute. L'autoroute, il y a des preuves, où il y a des constats chiffrés. Il n'y a rien eu. Il y a l'affaire Sonatrach, il n'y a rien eu. Il y a l'affaire BRC, la société a été liquidée, interdit d'enquêter dessus. Il y a l'affaire Chekib Khalil, qui a été lavée en pleine nuit par une justice de la nuit et une justice de téléphone. On ne sait même pas comment s'est passé le procès. Où est-ce qu'on va aller comme ça, Zoubida Assoul, avec un tel système, jusqu'au point où ils en sont arrivés de s'auto-accuser eux-mêmes de corruption? Non, ce n'est pas la première fois que certains responsables reconnaissent, y compris les politiques. Hein. Vous remontez même aux anciens premiers ministres, aux chefs du gouvernement, à certains ministres et tout ça, et ils ont reconnu, ils reconnaissent quelque part. Le président lui-même, à plusieurs reprises, a reconnu qu'il y avait la corruption. Mais sauf que ce qu'on essayait de faire vendre aux Algériens, c'est que la corruption était ou s'arrêtait à un certain niveau de responsable, c'est-à-dire au niveau des cadres dirigeants, de certaines wilayats, de certains directeurs centraux. Mais là, aujourd'hui, l'affaire de la cocaïne a dénudé ce système. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus le choix. Et là, vraiment, ça a éclaté aux yeux et aux vues de tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce système-là, on peut dire qu'il est fini. C'est pas possible. Ce n'est plus possible que ça continue comme ça. À partir du moment où des responsables à ce niveau-là de responsabilité, le premier responsable de la police, le premier responsable, le chef des armées, quoi, le Gaïd Salah, il s'envoie des inculpations réciproques par personne interposée et directement à travers les déclarations de l'Hamel, ça dénote vraiment de quelque chose de gravissime et ça veut dire que ce système ne peut plus continuer, il n'y a plus la confiance et c'est la déliquescence totale et c'est vraiment le début de démanteler ce système-là. C'est pas possible. Je vais revenir vers vous aujourd'hui. Je vais revenir vers vous, Zoubida Assoul, pour vous demander de nous dire d'après vous ce qui va se passer. Et ce qu'il y a lieu pour la société civile d'entreprendre. Je reviens vers vous dans un moment. Salah Hijab. Zoubida Assoul vient de nous dire que cette fois-ci, c'est trop, c'est une affaire de cocaïne énorme qui implique directement les barons du régime, leur entourage, leurs hommes d'affaires. Mais en fait, ce n'est pas la première fois. L'affaire Zinjabil, vous vous rappelez, en 2006, celui qui passait pour le baron de la drogue s'est rendu au tribunal militaire de Blida, chez le juge d'instruction, pour lui dire « je viens bénéficier des mesures amnistiantes de la loi sur la charte nationale, sur la réconciliation nationale ». Le juge d'instruction lui dit « mais vous êtes un trafiquant de drogue, vous n'êtes pas un terroriste ». Il lui a dit « non, je suis un terroriste,
avec l'argent du KIF, on finance les réseaux terroristes, surtout de l'Ouest, et je suis sous les ordres du général-major X, on ne le nomme pas parce qu'il est mort maintenant, qui était chef de la 2e région militaire, et ça a fait grand bruit, ça a été étouffé, contrairement à cette affaire. Donc ce n'est pas nouveau. Oui, malheureusement, ce n'est pas nouveau et on ne doit pas rester commenter les choses et attendre que ça va fondre, tomber comme un château de carton. Même derrière, on sait bien que il y a pas d'État, il y a pas d'institution, tout est mélangé. C'est vraiment c'est une bande qui embauche ou qui se fait entourer au emploi des incompétents et qui essayent de faire ces manipulations. D'ailleurs, tout à l'heure, j'étais en train de penser. Avant, on fait des assassinats physiques. Cette fois, on essaye des fois de faire des assassinats politiques, c'est-à-dire quand on les mange la personne, on fait des assassinats économiques, ce qu'on a essayé de faire à Rabrab à un moment donné, on a attaqué ses sociétés et après 15 ans qu'il a le monopole, on a découvert qu'il n'y a que lui qui a ce monopole. Donc en sortant la carte des impôts et d'autres cartes, on va l'assassiner. Ils ont fait ça avec pas mal d'hommes d'affaires pour laisser leurs hommes de continuer d'exister. Aujourd'hui, si on va dire que ça commence à tomber, il faut absolument accompagner cela avec l'union de toute l'opposition, avec une feuille de route bien claire, avec un regroupement de tout le peuple algérien autour d'un projet pour imposer ce changement-là et imposer le départ de ces gens. Mais comment, Salah Hijab, comment, vous savez très bien, il ne suffit pas de le souhaiter. Vous savez très bien que ce régime a fait le vide politique. Il n'y a plus de parti politique capable de rassembler ne serait-ce que 10 000 personnes. Aujourd'hui, les partis politiques, les rares partis politiques qui sont un peu dans l'opposition, essayent de lancer des initiatives, mais qui n'attirent pas grand monde. La société civile, elle est complètement démissionnaire. L'université n'existe plus. N'existe plus, l'université. Elle n'est plus productrice d'idées, encore moins de contestations. Avec qui vous allez faire ce que vous êtes en train de dire ? Non, je pense qu'on ne pourra jamais... Il faut toujours voir la moitié pleine de la tasse. Donc, il y a quand même des politiciens, des militants, des associations, des syndicats, des ONG, des mouvements. Le seul problème qui empêche, c'est... la concurrence et le côté leadership. Ces derniers temps, on a entendu parler d'une initiative louable, c'est le Mouatana, que je salue, que je soutiens. Et Zoubida Assoul est un membre de... Exactement, elle est porte-parole dedans, ouais. Que je soutiens activement. Et normalement, cette initiative, elle doit être portée par tous les autres membres de l'opposition, de toutes les couleurs, toutes les idéologies. Et non pas à chaque fois, quand il y en a un qui fait une chose, l'autre en face, il commence à trouver les points noirs. L'initiative des trois personnalités, on ne peut pas... C'est une initiative qu'on peut rajouter à Mouatana, parce que les trois personnalités ne veulent pas gouverner. Ben Yeldes, Talib Ibrahimi et Yahya Abdennour. Ce sont des comités de sages qui se sont réunis, qui ont tiré l'alarme. Leur courrier, il était très très bien fait, très très bien écrit. Ils ont demandé à l'armée de se retirer de la politique. Et si elle aura un rôle à faire, c'est au moins de protéger le dos du peuple. C'est une initiative qu'on ne peut pas jeter comme ça et on invente une roue une autre fois. On doit tirer la conclusion de Tensiria, tout ce qui s'est passé pendant les deux fois qu'ils se sont rencontrés. On doit tirer conclusion aussi de Hayat Tachaour, là où il y avait plusieurs formations politiques. Et aujourd'hui, le souci des Algériens, des différentes formations politiques, ne veulent pas venir en dernier pour signer un document ou une initiative qui a été faite par Saleh ou par Jamel ou par Zoubida ou par quelqu'un d'autre. Ils veulent tous avoir leur touche. C'est pour ça, à nous, notre approche, il faut que ce soit une approche, elle est difficile de coordonner, de regrouper, elle est très délicate, mais c'est le seul secret de travail. Nous, les Algériens, on a du mal à travailler ensemble. On est divisés, on est éloignés. Mais rappelons-nous, en 1995, quand l'opposition est partie à Saint-Égidio, elle s'est réunie, elle a sorti un communiqué entre toutes les formations politiques. Cela, qu'est-ce qu'a fait ? Il a secoué tous ses généraux. Et d'ailleurs, il y a des documentaires à la télé qui montrent clairement que l'attentat de Saint-Michel n'a pas été fait par des islamistes, il a été fait par la mafia au pouvoir. Regardez cette mafia, elle peut même faire des attentats, et non pas des attentats, y compris en Europe. Et l'attentat, y compris en Europe, en disant « Faites attention, si vous allez les soutenir, regardez qu'est-ce qu'on peut vous faire ?» Ouais. Il y avait même une déclaration de ministre de l'Intérieur, à l'époque, français, qui a dit « C'est trop ». Il a lancé une phrase, et quand les journalistes ils sont partis lui dire « Qu'est-ce que tu veux dire par ça ?», il n'a pas voulu commenter cela. C'est pour ça, aujourd'hui, nous,
On a une mafia qui a l'argent, qui a le pouvoir, qui utilise beaucoup de choses. Et en face, on a notre façon de travailler. Elle est limitée à des petites initiatives sans bien réfléchir, bien travailler. Elle est limitée à des communiqués. Il faut vraiment qu'on soit force de proposition et on travaille à l'intérieur et à l'extérieur de façon vraiment... On multiplie et une chose, il ne faut pas regarder que les échéances électorales pour travailler. Le projet, c'est un projet de longue haleine. On peut réunir l'opposition. S'il y aura même un cinquième mandat ou cinquième mandat bis, il se peut que la rue explose. Et s'il y a l'opposition qui est regroupée, le peuple va venir et on va sauver l'Algérie des scénarios qu'on ne veut pas pour notre pays. Zoubida Hassoul, Salah Hijab est en train de parler de synergie entre votre initiative actuelle, celle de Mouattana et toutes les autres. Mais avant que vous nous en parliez, j'aimerais que vous me disiez à quoi vous vous attendez en ce moment. Qu'est-ce qui peut se passer avec cette affaire, le Hamel et la cocaïne? Ben écoutez, je pense que le début de la dégringolade a déjà commencé. J'espère que cette affaire ne va pas être un feu de paille. C'est ce que nous souhaitons. Il faudrait que tous les gens, tout ce système, carrément tel que sa matrice, telle qu'elle a été conçue, il faut impérativement que ça change. Et c'est pourquoi que nous, on a initié justement notre appel d'abord contre un cinquième mandat, parce que parmi les raisons profondes de cette déliquescence, c'est l'absence d'un chef d'État. On sait très bien que, et moi je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que le quatrième mandat déjà était un mandat de trop, parce que le pays était totalement bloqué, que le président ne dirigeait pas, qu'il y avait des gens derrière le rideau qui tiraient des ficelles, et à force de tirer des ficelles, maintenant ils s'entretuent entre eux. La deuxième chose, c'est que nous, en tant qu'initiative de Mubadara, on a dit, on n'est pas uniquement contre le cinquième mandat, parce que le président n'est pas en état, il n'est plus en état depuis fort longtemps, puisque le peuple algérien ne l'a pas entendu depuis avril 2012, et qu'il ne gère rien du tout, qu'il n'arbitre rien du tout, qu'il y a l'impunité qui s'est installée, qu'il y a une mafia maintenant qui s'ingère dans la nomination des cadres supérieurs, des ministres, des membres du gouvernement, votre avis, qui prennent des marchés, n'est pas, à etc. Votre avis, Zoubida Hassoul, ce n'est pas Bouteflika qui a limogé le Hamel? Ils sont en train de nous dire c'est Bouteflika qui a limogé le Hamel. Mais écoutez, je ne suis pas dans le secret de Dieu pour vous dire si c'est Bouteflika ou pas, mais en tout cas, le président n'est pas en état. Vous savez, c'est pas la première fois, ça fait depuis qu'il a eu son AVC, on nous dit, il a signé telle loi, il a signé la loi de finances, il a signé tel décret, il a signé. Ça fait quand même 4 ans qu'on nous raconte cela. Mais nous, on l'a dit, à l'époque, on nous traitait de Ayad et Kharijia parce qu'on disait la vérité. Sauf que nous, dans cette initiative de Mouattana, quand on a fait cet appel, l'appel n'était qu'un un préalable à notre action d'aujourd'hui qui s'appelle Mouattana, où nous avons lancé un appel à toute la classe politique, à toute l'élite algérienne, sans exclusion, à tous les citoyens et citoyennes, de dire aujourd'hui, nous devons changer ce système, parce que c'est pas possible, même si on ramenait une autre personne, autre que Bouteflika, dans ce système tel qu'il a été conçu, dans sa philosophie de pouvoir, ne peut plus continuer. C'est pas possible, c'est l'impasse, ça peut plus continuer. Et à partir de là, on a initié cette initiative, et on fait appel. D'ailleurs, on s'est réunis avant-hier, l'instance de coordination de Mouattana, et le communiqué va sortir probablement d'ici samedi, notre communiqué, où nous avons pris des positions claires et affichées, et où nous faisons aussi un appel à tous les citoyens qu'aujourd'hui, l'air est grave, et que les enjeux sont l'État, l'effondrement de l'État algérien. Et donc on n'a pas le droit, en tant que politique, en tant que citoyen, de rester à ne rien faire. Nous devons, l'histoire nous demandera des comptes. Les générations à venir nous demanderont des comptes. Donc nous, on a initié, on ne dit pas que nous avons la solution, on encourage toutes les bonnes initiatives qui œuvrent dans la perspective de changer ce système et de sauver l'Algérie. Ce n'est pas un problème de pouvoir, ce n'est pas un problème de leadership. Il faut quand même aujourd'hui qu'on puisse, nous, en tant que classe politique, avoir suffisamment de maturité pour dire que ce qui nous intéresse au premier chef, c'est de sauver l'Algérie en proposant une feuille de route. D'ailleurs, nous travaillons dessus.
Nous allons, d'ici la rentrée sociale, présenter justement le projet et nous allons lancer même une plateforme sur Internet pour l'adhésion, pour que tous les citoyens qui se reconnaissent dans cette démarche-là et qui veulent sauver le pays et qui veulent joindre leurs efforts aux nôtres, de venir se joindre à nous. Et on ne détient pas, nous, la solution, mais on a fait une initiative. On aimerait que les citoyens nous rejoignent, on aimerait que les élites nous rejoignent, qu'elles soient à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui l'Algérie a besoin de tous ses enfants, surtout ses enfants propres et honnêtes, et qui ont envie de travailler pour l'intérêt des citoyens et l'intérêt de l'Algérie. Merci Zobeida Assoul. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Salah Hajjab, en moins d'une minute, le mot de la fin. Le mot de la fête, Jamel, je pense qu'il y a deux déclarations dans cette affaire. La première, c'est quand on n'est pas propre, on ne peut pas reprocher aux autres. C'est-à-dire, c'est une déclaration de dire, même ça me rappelle une phrase que mon père disait, « Mambrad mehok, mambrad là, on est dans une autre affaire. » Un voleur ne juge pas ou bien ne reproche pas un autre voleur des affaires. L'affaire de Kamel le Boucher, quand il dit « moi, je ne suis pas un Boumaraf », c'était une façon de dire « je ne suis pas un instrument que vous avez utilisé pour assassiner un président et coller l'affaire à des islamistes et après le mettre derrière les barreaux au nom qu'un islamiste ». Et d'ailleurs, il y avait une autre affaire avant ça. Zitouni, c'était pareil, un pseudo-islamiste qui fait le terrorisme et après, une fois il a fini le travail, il a été limogé. Donc tout cela, ça ne prouve par A plus B que c'est clair, net, pressé, c'est une affaire de guerre entre généraux, de gangs. Et donc en face, on doit aussi, on doit arriver à proposer une solution, on ne doit pas parler, on fait initiative. On doit pouvoir dire au peuple, oui, nous avons la solution. Et on ne dit pas, on a fait un communiqué pour faire le communiqué. Non, on dit la solution, c'est les compétences qui gèrent l'Algérie, une Algérie plurielle, la justice, et on va construire nos pays nous-mêmes. Merci Salah Hijab, merci Zobeida Assoul, merci Mohamed Larbi Zitot, merci Abdou Soumar. Nous apprenons que c'est une information intéressante. L'État annule toutes les cessions des structures de Club des Pins. C'est fini, il ne peut plus acheter Club des Pins. On apprend aussi, par une source qui n'est pas encore officielle, que le Wali d'Alger, M. Zour, serait sur le départ. Voilà, merci chers amis d'avoir suivi cette émission. Qawal akhir, bislama.